C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de front. Chez elle, on peut danser pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en mer 10 000 couleurs. Le soleil et la terre s'invitent chez elle, c'est le bonheur. Michaud, 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 Michaud,
Passion, unité, paix, créativité. Du 21 au 24 septembre 2022 et dans le cadre de la Journée internationale de la paix, l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix et ses partenaires présentent l'Assemblée de la jeunesse africaine avec une variété de programmes. La conférence des jeunes leaders d'Afrique avec des sessions sur la politique, l'économie, la spiritualité, les médias, l'académie, les arts, la culture. La tournée des jeunes artisans de paix. Le Festival international de la culture africaine pour la paix, FICAPS. La remise de prix aux jeunes artisans de paix. AYA 2022. Réalisons ensemble le rêve africain. Good day, everyone, for everyone that is watching us all over Africa. Today is really a magnificent day, a day where, you know, young people are coming together with different opinions and different ideas on how we can build Africa. I want to start off with this. Instead of being a great enabler, education is fast becoming a great divider. Because education transforms lives, economies, and societies, we must transform education. The quality of learning must support the development of an individual throughout their lives. These are some of the critical statements that came out a few days ago from the UN Secretary General, Mr. Antonio, at the Transforming Education Summit. A very good citizen of any country must be a holistic human. And a balanced human. And hence the emphasis of incorporating character education and academic education for the achievement of the African dream. This, ladies and gentlemen, is a topic close to the heart. Therefore, before diving very deep into it, let me honor and respect this House of Changemakers. Greetings to the International Association of Youth and Student for Peace all over Africa. Greetings to the chairman of IAPD, Imboni Dr. Uzulese. Greetings to the chairperson of our international association as youth, Mrs. Mika. And to all of our leaders who have made this assembly possible. My name is Sinanzi Wendlovu. I am a youth cadet from the Revelation Spiritual Home under the guidance of Imboni Dr. Uzulese. And I will be your moderator for this session. Session four, and welcome to day two. We have seen many changes, and we need to understand that everything that we know today and everything that we understand today has been through the academics and the scholars. It's been documented
by different people who were once young. And those people have tailored the way we think and see things in the world. The order of the day today speaks to transformation of education. As Imboni will say, academics and politics will never free Africa. However, the cooperation of essential elements is important in building the African dream. It is essential that academic education is incorporated together with character education. Many youth spend most of their time in their academic environments. In schools, learning so that they may contribute to society. However, let us think of the big question. This education, how many legs does it travel on? Let me enlighten you. This education travels on one leg, in which its goal is for financial empowerment for an individual. And it is power driven. As Mother of Peace, Mother Moon once stated that your youth is a powerful stage and a powerful phase of your life. This is where we build the adults that we become. And this is where we build our future leaders. With this being said, incorporating character education with academic education, we build future doctors that understand that our purpose in life is to serve others. We build future leaders who are understanding that being educated does not mean or make you better than others, but it is an opportunity to empower. We build business people whose goal is to eradicate poverty in the communities they were brought up in and in the world at large. Character education shifts the mindset away from being self-centered. It also shifts the mindset from excessive individualism and moves it more towards a cooperative relationship and mutual respect for all people. Character once built, it influences all decisions and opens eyes to the purity of humanity. While homes becomes the foundation of identity, spiritual homes become the schools of life, and the school, an academic institution, needs to be the molder of active citizenship. Ladies and gentlemen, I do not go alone today. We do have a panel of different speakers who will share their inputs on the topic which we are here today, which is an academic topic on security, food, and health challenges in the world and in Africa. This, the place of character and alternative education. Let us welcome our first speaker and get this ball rolling. Our first speaker is Mr. Taro, a Censored Youth Initiative Coordinator from Niger. A round of applause. Alors, je vais m'exprimer en français. Bonjour à tous. Merci à la modératrice pour cette belle introduction, parce que ça me permet d'entrer rapidement dans le vif du sujet. Je voudrais quand même remercier les organisateurs pour leur clairvoyance, parce que réunir comme ça la jeunesse de toute l'Afrique pour réfléchir à l'avenir de notre continent, il fallait y penser. Et c'est quelque chose qui sera sans doute porteur d'espoir et de résultats probants pour nos communautés. Nous allons parler aujourd'hui d'éducation et le panel porte le nom d'académie. Et c'est pour ça que je vais peut-être faire une entrée en matière un petit peu académique, je dirais. Parce que, vous savez, moi, je viens du Sahel. Et au Sahel, nous constatons chaque jour qui passe les ravages, justement, de cette absence d'éducation, ou en tout cas, cette éducation qui n'est pas totalement adaptée à nos réalités. C'est quelque chose que nous expérimentons parce que nous voyons de larges pans de nos populations, de nos jeunes en particulier, qui se laissent séduire par des idéologies que nous ne comprenons pas toujours. Et ça nous montre à quel point nous avons échoué collectivement à bâtir un système éducatif
qui nous ressemble et donc qui nous rassemble. Je vais donc commencer par cette petite précision un petit peu subtile, je dirais, cette différence subtile qu'il y a entre éducation et instruction, mais qui n'est pas toujours saisie à sa juste valeur. L'éducation, c'est quoi? C'est une démarche qui consiste à développer chez un individu des qualités, des valeurs, qui vont lui permettre, en fait, de pouvoir s'intégrer de façon durable et réussie dans sa société, dans son environnement. Alors, lorsque je dis ça, on se rend compte donc que l'éducation, finalement, elle accompagne toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de société sans éducation, parce que l'éducation, c'est ce qui permet de transmettre les valeurs de génération en génération. Ce que je veux dire ici, c'est que l'éducation en tant que telle, elle préexiste à l'école. L'éducation existait bien avant que soit établie l'institution scolaire. Et en fait, elle revenait à des institutions religieuses et également à la famille. Alors que l'instruction en tant que telle, c'est plutôt ce qui permet de transmettre un savoir scientifique. C'est l'apanage de l'école, un savoir scientifique et technique, alors que l'éducation, elle parle du bien, du mal, de ce qui est utile ou de ce qui est futile, de ce qui est acceptable ou de ce qui est blâmable. Donc, c'est important, je pense, pour nos sociétés, à la fois de faire la différence entre ces deux notions et surtout, ensuite, de réussir à les faire communiquer pour que ces deux notions, justement, arrivent à se nourrir mutuellement et apporter du bien l'une à l'autre. Et je pense que le défi de nos sociétés africaines, et en particulier le défi des jeunes que nous sommes, c'est de réussir en fait à sortir, si vous voulez, de ce que moi j'appelle le piège des statistiques. Il ne s'agit pas juste de dire qu'il y a tant de pourcents de jeunes qui ont accès à l'éducation, mais c'est de savoir d'abord de quelle éducation nous parlons et de quel lien cette éducation peut entretenir avec l'instruction. Réussir donc à casser les cloisons qu'il y a entre les deux, mais le faire avec intelligence et pour des résultats, comme je le disais, probants. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que nous revenions à la centralité des familles dans la construction de nos sociétés. La famille s'assure de l'éducation du citoyen et ensuite les États prennent le relais en mettant en œuvre des politiques familiales qui sont adaptées à nos réalités. Nous ne devons plus dans nos sociétés avoir honte de parler de Dieu. Pourquoi devrions-nous le faire? Puisque les sociétés africaines sont des sociétés qui croient à la transcendance, à la divinité, quelle qu'elle soit. Et il est important que nous puissions ramener cette notion dans nos familles et également dans nos politiques familiales. Alors, j'aimerais rapidement aller, en vous parlant en quelques minutes, d'une réalité que nous vivons dans les pays francophones. Vous savez, nous avons tout un tas de dispositifs qui existent. On va résumer ça en disant qu'il y a les volontariats, d'accord, et les services civiques. Mais lorsque nous regardons de plus près, qu'est-ce que nous constatons? Que ces dispositifs, finalement, ne sont pensés que pour essayer de dire que les jeunes ont quelque chose à faire du matin au soir. Ce sont des petits stages professionnels, alors qu'ils devraient être des tremplins pour bâtir des citoyens modèles, des Africains de demain. Et c'est pour ça que je pense que nous devons à la fois prendre ces dispositifs qui existent et les adapter à nos réalités, parce que dans le cas d'un pays comme le mien, le Niger, aujourd'hui, les services civiques ne sont accessibles qu'aux jeunes qui sont allés à l'école. Pourquoi? Ça va. Voilà. Donc,
ces services civiques et ces volontariats et tous ces dispositifs qui existent doivent être adaptés à la sauce africaine pour que le jeune qui est au nord du pays, qui n'a jamais été à l'école, qui est berger, puisse également savoir qu'il peut servir sa nation, qu'il peut servir sa famille et qu'il peut servir également Dieu. Je voudrais vraiment terminer en disant que j'ai eu la chance de me rendre en Corée du Sud où j'ai vu la manifestation très concrète de ce que c'est que de former des citoyens en passant par la formation du caractère. Et donc, je plaide pour qu'en Afrique, nous puissions avoir des programmes similaires qui s'adaptent à tous les âges. Dans la petite enfance, que les gens apprennent à aimer leur famille, à aimer leur patrie et à aimer l'humanité, comme on dit là-bas. Et ensuite, lorsqu'on arrive à l'adolescence, il faut également qu'il y ait des programmes adaptés et ainsi de suite à toutes les étapes, de la vie. Et donc, je finirai vraiment là-dessus cette première intervention en disant merci à ceux qui nous ont invités et en disant que cette réflexion, ça doit être une réflexion de fond et non pas une réflexion sur les chiffres et les statistiques qui vont nous donner bonne conscience. Je vous remercie. That was our social entrepreneur who specializes in social cohesion and youth politics. Thank you so much, Mr. Taro. Now, ladies and gentlemen, we've heard it. We need to find a gap between the two and ensuring that we are equal when it comes to education. I'd like to bring up our second panelist, who is Mr. Ngabi, who is the country director at the Stanley Cameroon. A round of applause. Okay. Bonjour à tous, bonjour à nos jeunes frères qui ont à cœur, de mon point de vue, d'être des acteurs de changement au niveau de notre belle Afrique. Nous sommes appelés à construire. Alors, je suis Bertrand, merci déjà pour la présentation de notre modératrice. Et je félicite chacun pour avoir effectivement donné de son temps aujourd'hui pour pouvoir effectivement participer à cette thématique parce que de mon point de vue, c'est une très belle thématique, c'est de belles initiatives. Et la réalité souvent, c'est que beaucoup de personnes, au lieu effectivement d'accorder leur temps à pouvoir suivre ce type de thématique, à pouvoir adhérer à ce type de document, des jeunes comme nous, choisissent malheureusement souvent d'orienter leur temps à faire d'autres choses qui malheureusement ne contribueront pas à changer les réalités que nous connaissons. Alors, il y a une thématique effectivement qui est partagée, qui fait appel à plus ou moins l'éducation de caractère face effectivement aux défis que nous avons au niveau de notre mère Afrique. On l'a toujours dit, l'Afrique, de manière globale, est le berceau de l'humanité. L'Afrique est l'un des continents les plus riches que nous ayons dans le monde. Mais malheureusement, la réalité, effectivement, c'est que c'est l'un des continents en arrière, quand on regarde aujourd'hui. Et c'est important qu'aujourd'hui, que nous puissions nous permettre de nous poser un certain nombre de questions à tous ces aspects que nous avons pu que nous essayons de comprendre exactement ce qui ne va pas
que nous retrouvions, que nous permettions à notre Afrique de retrouver ses lettres de noblesse, comme on le dit. J'ai aimé l'intervention du panéliste précédent, parce qu'effectivement, dans l'aspect de l'éducation tel qu'on le dit, c'est tendance à vouloir incriminer les politiques publiques, mais la base de l'éducation de l'enfant, c'est la famille. C'est important que dans nos familles aujourd'hui, que nous comprenions quelle devrait être effectivement la place de la transmission d'abord du parent au niveau de l'éducation de l'enfant et, comme je le disais, de la transmission des valeurs. Nous avons beaucoup de valeurs en Afrique que nous avons malheureusement perdues. De l'ère dans laquelle nous vivons, la tendance à vouloir suivre ce qui se fait de l'autre côté. Et malheureusement, effectivement, ça nous amène, nous en tant qu'Africains, à perdre une identité culturelle. Donc, la place de la famille dans la bonne éducation, de mon point de vue, est capitale et centrale. Parce que pour que un étudiant, pour qu'un enfant effectivement réussisse plus tard, il y a cette place ou ce rôle que l'éducation ou que la famille, je voulais dire, devra pouvoir jouer. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que, et là, c'est pour revenir plus ou moins aux politiques publiques, c'est de comprendre le besoin, effectivement, de mettre en place des qui correspondent aux besoins que nous avons aujourd'hui en Afrique. Moi, aujourd'hui, je suis au Cameroun, mais la réalité, par exemple, c'est que par rapport aux besoins le Cameroun doit pouvoir avoir pour la construction de pour son développement ou pour son avancée, nous avons malheureusement un système éducatif qui ne pousse pas forcément cette adéquation qui n'épouse pas forcément ces réalités. Donc, c'est également pour dire qu'au niveau des politiques publiques, il y a cet aspect qu'il faudra refaire. Et pour moi, au-delà, parce que quand je parle souvent d'orientation, quand je parle d'éducation, je n'aime pas forcément taper du doigt sur les politiques publiques, mais surtout sur ce que nous avons à faire en tant que jeunes. Parce que les politiques publiques ont leur rôle à jouer, les familles ont leur rôle à jouer, mais la question, c'est quel est le rôle que moi, je dois jouer en tant qu'Africain? Quel est le rôle que moi, je dois, qu'est-ce que moi, je dois faire, effectivement, pour permettre que, en tant qu'Africain et en tant que bâtisseur de notre future Afrique, qu'est-ce que je fasse? Et là, je reviens sur le rôle de la bonne orientation. C'est important que nous comprenions que l'orientation reste pour moi l'une des sciences maîtresses pour permettre effectivement que nous ayons des hommes forts, des hommes intègres, des personnes intelligentes et qui comprendront exactement ce qu'il faut faire. Intégrer à la base ou amener les enfants à la base à avoir une orientation qui va pouvoir intégrer potentiel, leur savoir-faire, forcément permettre des personnes qui sont pétries, qui sont des personnes aussi intègres, mais qui surtout restent douées, talentueuses dans ce qu'elles font. Donc, l'intervention que je souhaite pouvoir apporter aujourd'hui restera au niveau de ce que chacun d'entre nous doit pouvoir jouer pour pouvoir avoir une orientation de qualité. Parce que oui, en parlant d'éducation, en parlant d'un certain type d'éducation,
nécessitera aussi que nous comprenions que nous avons une éducation à faire à notre niveau, que nous avons un ensemble de choses à prendre en considération à notre niveau. L'Africain de demain qui souhaite pouvoir apporter sa contribution à notre Afrique, c'est celui qui aura compris, c'est le jeune qui aura compris effectivement que le métier dans lequel il devra orienter son programme sera un métier qui correspondra parfaitement à ses aspirations, à ses compétences, à ses atouts et ses talents naturels, mais également qui sera plus ou moins en adéquation avec la demande du marché. Et globalement, ce point, un aspect que je ne négligerai pas, c'est l'aspect aujourd'hui de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, quel que soit le domaine d'études dans lequel nous sommes, est un aspect que nous ne devrons pas négliger parce que tous ceux qui se forment, malheureusement, ne trouveront pas le travail à partir des organismes étatiques ou ne trouveront pas forcément le travail à partir des entreprises privées ou publiques. C'est pour dire effectivement que c'est important que de plus en plus nous jeunes comprenions l'importance de l'entrepreneuriat, l'importance de pouvoir entreprendre et apporter des solutions qui correspondent effectivement aux réalités que notre Afrique rencontre. Donc, sans plus ou sans forcément m'attarder, je pourrais effectivement dire que, pour rapidement terminer, c'est important que chacun d'entre nous se connaisse et que chacun d'entre nous sache exactement quels sont les aspects ou quels sont les savoir-faire qui permettraient de pouvoir converger vers des carrières qui permettent d'avoir qui nous permettraient, je voulais dire, de converger vers des carrières prenant en compte ses potentialités, prenant en compte ses passions, et que chacun d'entre nous devrait pouvoir se réapproprier nos valeurs africaines, se réapproprier nos cultures africaines, parce que je pense qu'en intégrant tout cela dans la construction arrière que nous avons, que nous parviendrons effectivement à permettre que les différents défis sécuritaires, alimentaires, sur le plan de la formation, et sur d'autres aspects que je n'ose même pas imaginer, que nous puissions effectivement permettre que notre Afrique puisse effectivement relever tous ces défis. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère n'avoir pas été long et j'espère malgré tout que ces propos auront été utiles et nous seront utiles effectivement pour la suite. Et je reste disponible pour des questions. Merci beaucoup. Thank you so much. That was the country director at Selmi Cameroon. It's really amazing to get to hear the thoughts of our philosophers and our academics in the room. I'd like us to look forward as well now to our next panelist, which is our third speaker for the day, Mr. Matondo, and who is the president of United Nations Young Leaders Network, Congo Brazza. A round of applause, ladies and gentlemen, for Mr. Matondo. Okay, just while we wait for Mr. Matondo, we're just going to swap things around just a little bit. You know, we have heard amazing speakers that have spoken on this topic in particular, and I just wanna, bring a little bit of a mist. We have had two male people speak on the academic side, and we thought, let us have a female that will bring in, the different aspect of what education
can do in terms of Africa. And our next speaker, who is Miss Kanyisile Sibisi, who is a student in medicinal chemistry, but also a youth from the Revelation Spiritual Home. May we please allow and hear from Miss Kanyisile Sibisi. Thank you for the introduction. Greetings to Imboni Uzulezwe, True Mother, and the chair of the IAYSP, and mostly to all the participants here today, especially to Inkanyezi from the Revelation Spiritual Home. As previously said, my name is Kanyisile Sibisi. I'm a member of the youth of the Revelation Spiritual Home, led by Imboni Uzulezwe. I'm truly honored to be part of such an outstanding occasion. Recently, we saw Imboni taking part in the 2020 Leaders Conference in Korea, representing Africa. We are privileged to have a leader of such caliber who and which we have been given the opportunity to continue where Imboni left off. 278 million Africans suffer from hunger. That is one in every fifth African. In 2015, 1.5 million Africans died from malaria and tuberculosis and various illnesses due to a lack of medicine. Africa, a continent immersed in poverty, yet we hold all the riches in our land. So how do we combat the challenges we are currently faces? We do it by starting. In the words of Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start in order to be great. So we start through education in order to cultivate Africa into the gem that it truly is. With developments and changes in technology, academic education is important in order to flourish in these fast-changing times. However, I don't believe academic education should be our main focus. There is a broadness in education, and this is where we need to shift our focus to: alternate education. We need to be teaching our future generations critical thinking in order to make logical decisions. As among these generations lie our future presidents, leaders, doctors, and lawyers. But how do we create such outstanding citizens with just basic academic education? There is only so much that you can learn in a classroom. Outside of the classroom, we need to be teaching our generations moral and character education. This is a learning process in order to understand and care about ethical behavior, such as respect and appreciating diversity. It is teaching people between what is right and what is wrong, with the aim of creating law-abiding good citizens. I believe many of our politicians in Africa lack moral education. And we can see this through how they are power hungry, greedy, they misuse funds and blatantly steal due to an imbalance in power. In the past, leaders would consult with Imboni before making decisions about the nation, thus showing how important it is to have moral and spiritual education, and we can make the impossible possible and eliminate the problems we face in Africa. There is another aspect to alternate education, which many people seem to forget. However, it is the most important aspect, and that is spirituality. We are privileged enough to be guided by Imboni Isibane. As Africa, we receive guidance on our spiritual journey, in which he helps us identify our spiritual purpose. You can have everything in life, but without spirituality, you will feel a sense of
emptiness, as spirituality grounds you. So as if we have, as Africans can find a balance between these different types of education, we can make these challenges obsolete. However, we need to be able to learn. As it is famously said, the illiterate of the future are not those who cannot read or write, but is those who cannot learn, unlearn, and relearn. So I leave you today with one of my favorite pieces from a book, Becoming, by Michelle Obama, in which she states, "For me, becoming isn't about achieving a certain goal or reaching a certain solution. I see it instead as a forward motion, a way of evolving forward to reach a better self. The journey doesn't end. So I dare you today to continue this journey of growing, learning, in order to restore Africa." Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. That was Miss Kanyisile, who has extensive experience when it comes to working with young people and in the field where youth development is something that she's very passionate about. She is actually a member of the United Nations Children's Fund and also Voices of the Youth for UNICEF as well. And she has been chosen for quite a lot of platforms where she has been able to contribute to this particular topic as well. Thank you so much to all of our panelists today that have contributed to this amazing event that we've had. I'd like to urge all of our listeners on both on YouTube and also those ones that have joined us here on Zoom to please send through your questions, because we are opening the space right now for questions for all of our panelists. Just a summary from my side, when we started this session, we did say that, you know, instead of being an enabler, education is fast growing to becoming a great divider. And I think our speakers today have told us and have shared their experiences, you know, with us in terms of how do we see education going forward. I just want to start with our first question, which is from our side, this side, from all of our listeners. The first question goes to one of our panelists, and definitely, and I will give this platform to Mr. Taro. Mr. Taro is running a lot of youth initiatives in his space. And I just have one question. Through your experience, how do you see us changing the environment of educating young people to be better leaders? And I think the context of this question goes to, when we listen to different speakers, they always say the future leaders are the same young people that are led by the current leaders. So what do we expect differently if my mentor is exactly the mentor that is in the position, and they pass on the knowledge that they have onto ourselves? I just want to hand over to Mr. Taro. How do we see that being different? How do we see the young people being different leaders if they are being mentored by the current leaders who are making those same mistakes? Mr. Taro? While we wait for Mr. Taro to come back online, I just want to hand over to Ngunguma Sisi. You have a question? You can come through. You can unmute your mic. Ngunguma Sisi,
You can ask your question. Okay, so we seem to be having a technical issue over there. We'll just like to thank everyone. We have seen such positive comments in our comment session. I don't know if I have missed any question, but I can see it's a lot of positive comments, how people are so excited and happy to be hearing from everyone. I just want to now move on to our next item on our program today. It's been really a wonderful day. And I would like to get the words of encouragement. There is nothing as beautiful as being young people, but also being guided and also supported by those that have walked the journey before us. Ladies and gentlemen, please help me welcome words of encouragement, which is going to be done by a professor and a researcher in Obinim Kalavi University, who is also the Deputy General Secretary of Ministry of Education. Please, a round of applause for Professor Cyril Ainamon. Professor. Okay, we seem to have lost Professor right there. I would like to just confirm and also just confirm with Ms. Kanyisile if I am still audible. Yes, you are still audible. Oh, thank you so much for that. It feels very good to know that I'm still audible. I mean, we are in South Africa and currently experiencing quite a lot of load shedding. So the fact that I am still here is actually, I'm grateful for it. We will now move on to the resolution to finish off this session. And I'd like to invite all of our speakers to kindly raise their right hand. The African dream is to achieve a peaceful continent through unity, harmony, and equality as one family. I recognize that it is the youth of Africa who must assume the responsibility of realizing this universal dream. As a peace-loving youth in Africa, in the field of economy, I therefore pledge to. I make in the name of academic ethics the choice to represent the moral teacher within my academic and social environment by being myself the teacher, a model by my thoughts, by my words, and by my actions, which must advocate sincerity in the application of academic work ethics, sexual and social morality. Consider every student equally, regardless of his or her social status and academic potential, ensuring an environment conducive to education for all, in order to lay the foundation for the development and realization of the African dream. Sensitize every student under my academic and social umbrella
to respect African values, ethics, and morals that preserve our identity as virtuous and conscientious individuals in the interest of maintaining social cohesion and ensuring the birth of a wiser generation. Encourage every student to develop their character and personality, as well as nurture their minds through academic instruction, and this through character education, so that they may grow as the refined architect of the future of the nation and the African continent. I say and pledge all this for a sustainable African and global peace and development. I commit myself. Thank you so much to everyone that has joined us today. I see there is quite a lot of hands that are coming up, and I'm afraid that because of time, we are unable to take some of the hands that have been raised. However, thank you so much to everyone that has attended the session, and I hope it was as fruitful as it was for me. And it was great to have all of our speakers that have been here today. And at the end of the day is that as much as everything is transforming and everything is changing, education is one of the essential things that we need to change, because when people are educated and people have a good character, they will be able to hold different leadership positions with the mindset of serving humanity and not just for themselves and for individual gain. And this is what we require in this world of ours. With those words, thank you so much. And please do join us for our next session. Thank you. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va, recommence notre histoire.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? I used
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there will drift, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. This world is
Michael, eles não ligam pra gente.
comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Great big family, and the truth, you know, love is all we need. We'll be right back.
écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Pour les jours à venir, on écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues. C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. C'est le bonheur. Change en jour, jour d'une vie.
lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi. L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Vole le bateau dansant sur les vagues, libre de vivre d'amour et de vent. Belle la chanson des sortes des vagues, vois comme le monde est beau. United, Big Black, remix. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de rousse. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de rousse. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand. De nostalgie, parce que j'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé, mais mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route elle est trop longue, pas temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de route. Thank you.
7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va un
porte brassée. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douche ce soir. Fini de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Ce n'est pas une réelle, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier. Hitler que chacun sa route, chacun son chemin. Était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le souffle, ni bombes ni de magasins. Tout le monde avait un toit et plus personne n'avait faim. Et je ne délire pas, mais je suis très sérieuse. Oh, et je ne délire pas, mais je suis très sérieuse. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Hitler que chacun sa route, chacun son chemin. Dans cette liberté à venir, puisque
conscience. Mais apaiser notre conscience, pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les ponts, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse tout, qu'il brille d'amour au quotidien. Yeah.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir une machine de très chez elle, c'est le bon.
This is an open letter from you and me together. Time's in our hands now. Find the words that matter, say them out loud. I make it better somehow. Looking down from up on the moon is a tiny blue marble. Who'd have thought the ground we stand on could be so fragile? À rien que de pas penser du tout. Rien c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On ne se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux,
rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits rires qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
lost my shit. Trying to act casual, can't stop. I might end up in the hospital, changing my shape. I feel like an accident. They're back to explain their experience. Isn't it weird?
As you go through life, you'll see there is so much that we don't understand. Baby, say me no more. And the only thing we know is things don't always go the way we planned. Ay, yo na hobo na pronto, beme de susulo. When it seems all your dreams come undone. Winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe. Freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope, let your good heart and kindness fill the temple. Freedom. Freedom.
everybody's free, till everybody's free. We want the winding road, sail the raging sea. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in a dream for victory. Here's to the battlefields for justice of the banished, tortured and enslaved. Our brothers and sisters and their graves. She hurts when sovereigns and parliaments meet to shackle my chains about liberty's feet. When the rulers cast when the rulers cast their votes, cannot spell, cannot I'm talking about freedom. Desire nothing but the truth, the soul of mankind and untainted youth. Yes, for this I will stand up and fight. Oh, freedom, freedom, freedom. Nobody's free till everybody's free. Walk along. Respect and forgiveness, united in a dream for victory. Here's to the battlefield for justice of the banished, tortured and enslaved. To the selfless spirit and commitment to our brothers and sisters in the grave. Respect and forgiveness, united in the dream for victory. Here's our toast to freedom. Toast to freedom. To human rights and dignity. Love, respect and forgiveness. United in the dream for victory. Respect and forgiveness, united in victory. Victory. For victory.
Sosa went warm. Maybe you're born, what was it? Rise up, 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 r
Così pa chacun. Così shake shake can. Così bacan. Così shake shake can. Così pa chacun. Essa fu mi solo moniongo bolo bewala tonisi. Essa fu mi solo moniongo bolo bewala tonisi. Jerusalem, ala para kuri kuri fu, iwa juni emi ne biri juju kache fu. Esa fu mi Solomon yongo bologwe walota nisi. Esa fu mi Solomon yongo bologwe walota nisi. Ala para kuri kuri fu, emi tia sompe moji omi ori su. Thank you.
ti wonji ja nu oru kare anjo nu shakarda yi gbara bi talaka anjo nu shakarda yi gbara bi alagbe Wow.
Makeda. Nisi
meje, mesan, meji, okan, meje duro. Meje, mesan, meji, okan, mesan bere. Meje, mesan, meji, okan, mejeji won fun oti. Ṣùgbọ́n ọ̀kan ló mú ti. This is when you're long from bondage in Egypt. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We
C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle, on peut danser pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en elle 10 000 couleurs. Le soleil et la terre s'invitent chez elle, c'est le bonheur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette 5e session de la conférence de leadership de la jeunesse africaine, un programme de l'Assemblée de la jeunesse africaine AYA 2022, parrainé par IAYSP, Association internationale des jeunes étudiants pour la paix Afrique, et le docteur Hadja Hanmoun, la mère de la paix et fondatrice de cette organisation. Mon nom est Wusongeli et je conduirai cette session en présence, bien sûr, de 4 merveilleux panélistes que je vous présenterai avec joie sous peu. Le thème général de notre assemblée est le rêve africain, un appel de la jeunesse africaine pour une paix durable, l'unité et la prospérité mutuelle. Dans notre session, cette session qui concerne les médias, nous allons nous intéresser au rôle que les médias devraient jouer dans la réalisation du rêve africain. Et j'ai une petite anecdote, j'aime beaucoup l'humour. Je suivais il y a quelques années un spectacle de Gad Elmaleh, un célèbre humoriste français d'origine algérienne qui parlait du rêve américain. C'est une expression, bien sûr, à laquelle bon nombre d'entre nous sommes habitués grâce aux médias et aux films. Nous sommes tous familiers avec cette expression, « the American dream », n'est-ce pas? Alors, Gad raconte qu'étant enfant en Algérie, son père l'amenait à la plage, n'est-ce pas? Et en face de l'océan, son père lui disait, « Dad, si tu prends un bateau et que tu vas tout droit, tu arriveras en Amérique. » Mais il pose une question très drôle et très intéressante et qui est d'ailleurs ce qui m'a le plus marqué. Il demande, « Est-ce que de l'autre côté, c'est-à-dire en Amérique, y a-t-il un père américain avec son fils qui lui dit, « De l'autre côté, il y a le Maroc. Donc, si tu prenais un bateau et que tu vas tout droit, tu arriveras au Maroc. » Est-ce qu'il lui parle du rêve marocain? C'est donc, chers panélistes, chers participants, chers officiels et toutes les personnes distinguées qui vous joignent à nous, la question qui nous interpelle aujourd'hui même. Est-ce que quelqu'un parle au monde du rêve africain? C'est quoi le rêve africain? Et quelle conscience ont les Africains eux-mêmes de devoir construire cette notion, ce paradigme du rêve africain? C'est un peu, à mon avis, un rôle que doivent jouer les médias. Car, comme enseigné dans les écoles de journalisme et de communication, les médias ont cette fonction qu'on appelle la fonction d'agenda setting, c'est-à-dire que ce sont les médias qui décident de ce que fait la société. Ce sont les médias qui décident de ce à quoi pense la société. Ce sont les médias qui décident ce qui occupe les pensées des citoyens et ce qui nourrira les débats des plus jeunes jusqu'aux débats des autorités au plus haut niveau.
Et plus de 2 milliards de personnes aujourd'hui sont sur Facebook. Et chaque mois, c'est plus de 95 millions d'Africains qui se connectent. Et ça, c'est seulement en Afrique subsaharienne. Les industries de production de musique et de films, les chaînes de télévision et de radio distribuent un contenu que nous ne maîtrisons toujours pas. Quelle est la pertinence de ce contenu pour nous? Voilà autant de questions que nos panélistes aujourd'hui s'attelleront à solutionner d'une manière ou d'une autre. Alors, dans ce contexte-là où les médias africains se fondent dans l'ensemble et distribuent majoritairement les mêmes contenus que ceux européens, notamment la musique, les films, les feuilletons et d'autres programmes qui parfois ne sont pas orientés vers l'édification de la jeunesse africaine, il est important qu'une très grande réflexion soit menée. Alors, comme je le disais, j'ai avec moi quatre panélistes qui sont d'éminents professionnels du monde des médias et des usagers avertis. Nous aurons le plaisir d'écouter sous peu Madame Jubiel Zulu, elle est journaliste, elle nous vient de Zambie. Ensuite, nous allons écouter Monsieur Ulrich Bihoge Ibinda, qui nous vient du Gabon. Madame Amira Sahid, depuis l'Égypte, nous dira aussi quelques mots. Et nous allons écouter, enfin, Monsieur Romuald Lobo, qui est directeur de la prospective du développement à EducAction au Bénin. En fin de panel, nous allons recevoir une adresse spéciale d'une invitée de marque, qui est Madame Laurette Elia, secrétaire générale de la FPU Côte d'Ivoire. Un petit rappel de notre thème, chers panélistes. Le thème de cette session est promouvoir des médias autonomes, moraux et socialement responsables pour la réalisation du rêve africain. Je voudrais à présent, maintenant que le décor est implanté, inviter notre première panéliste à prendre la parole pour son intervention. Il s'agit de Madame Jubiel Zulu. Elle nous vient de la Zambie. Elle est journaliste avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, reportrice et présentatrice télé, ainsi que rédactrice pour les médias électroniques. Elle est également chercheuse et passionnée de développement dans le domaine des sciences et technologies de la santé et a à son actif plusieurs trophées, plusieurs distinctions. Je vous prie, chers participants, chers jeunes d'Afrique, de la recevoir par des ovations chaleureuses. Madame Jubiel, vous avez la parole. Notre chère panéliste numéro 1, Madame Jubiel, n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Elle a désiré être là, mais pour des raisons professionnelles, elle ne sera pas là elle-même, mais elle a envoyé une vidéo pour délivrer son message. Bon. Can you hear me? I hope you can cut this. Hello? Okay, great. Good. Great to be part and parcel of this wonderful discussion. My name is Jubiel Zulu. I'm from Zambia. I'm a practicing journalist, and also I am under IMAP, that is a wing under UPF. I am also a Zambia Institute of Independent Media Alliance Vice President. I also sit on a board of ZAMWA, which is a group that looks at women media in Zambia. Apart from that, I also sit under different portfolios with various organizations. And apart from that, I'm an international and local award-winning journalist. So I first want to talk about IMAP, which was launched in June 2017 in Lusaka.
And this was born out of a theme that says responsible journalism in a pluralistic society, a Zambian perspective. It is something that was a media wing or under UPF, still personnel's in peace building through platforms, the platforms that we present under our working culture. And it's an important role that promotes peace in every situation that we are looking at in our country. My theme today is the future is the next minute. The future is in the next minute together. What actually that means is how we are able to participate in various issues as youths and also journalists. Journalists have got a role to play in every country, and they have the mandate to drive the agenda on how a country can prosper or can actually be into chaos. And journalism and the true definition in the Zambian context is we want to ensure that every citizen is given the mandate, is given the prosperity to ensure that they have the necessary information and that they can participate at any level. This includes management level, any other level at government perspectives, and also entrepreneurship. Some of the issues that we've been discussing in Zambia has to do with democracy, society, how youths are able to protect themselves and also participate in these various issues. In the context of Zambia, we have seen that there's a lot that is going on. We have seen from time to time during elections where you find some people who are also youths perpetrate violence. We have also seen some of the people doing certain issues that are not really morally right. Currently, we have issues to do with sodomy in the country. We have issues to do with killings in the country. We also have issues to do with the upbringing, the culture, the people drinking beer, the youth actually abusing alcohol, abusing drugs. But then again, we fear on how this country is going to be if these things continue. And that's where all of us need to work together and ensure that there's a concerted effort for the benefit of the nation. How does that come through? It has to do with all of us working together for the purpose of safeguarding each other and engaging each other at any level. So this problem is not only for Zambia, but for all the countries in the world. We have similar issues to do with unemployment. We have similar issues to do with climate change. And the youth, the women, the people are the end users of all these things that we've talked about. So if they are not engaged, then how are we going to have a future that is of prosperity? It's a question that has to do with all of us, ensuring that we are there for the benefit of all. Let's move away from thinking that we can do what we can only for our benefit rather than benefiting others. We should come to a place where we are able to do things for the benefit of the nation as a whole, and not only a nation, but as a region. And not only as a region, but the universe. Because what makes the universe
is the environment. And what is found in the environment is about you and me, the animals, the natural beauty, the resources, everything that is surrounding the environment has to do with human habitation and also other issues. So to end our discussion, I would want us to take a self-introspection on how best are we helping our countries to come to terms to peace, to come to terms of building each other. Because you cannot have peace where there's a lot of challenges that you are not adding on to protect the other people. Only when you add and also work towards the benefit of others, would you say that you have done all you could and it couldn't work? We need to ensure that we have a better Zambia, a better youth, a better region, a better universe. That requires all of us to participate at any level. Let us all ensure that we have peace and we preach peace and we can bridge the gaps between peace and violence. People need to understand that there is more to your selfish gain rather than what you are able to get from yourself. But for all these things to be done, let's create awareness. Let's have sensitization programs that can talk about all this, involving the community at any level and not work in silos is critical. Thank you so much. Merci beaucoup, Madame Joubiel. Applaudissons une fois encore, s'il vous plaît, pour ce message très inspirant. Merci surtout pour avoir souligné que l'une des responsabilités les plus importantes des médias, c'est de construire la société à travers, bien sûr, la construction des citoyens. Elle a notamment souligné que tous, nous devons participer ensemble de manière solidaire à l'édification de cette société que nous désirons voir, travailler pour les autres. Et cela me rappelle ce credo du feu Dr Moon qui disait qu'il faut avoir l'amour pour sa nation, l'amour pour le continent et l'amour pour le monde. Merci beaucoup, Madame Jubiel. Notre prochain panéliste est un jeune ambassadeur de paix qui nous vient du Gabon. Il est premier vice-président de l'Union nationale des étudiants du Gabon, chargé des relations internes. J'ai le plaisir de vous introduire, chers participants, M. Ulrich Biyogé Ibinda. Veuillez le recevoir avec de chaudes ovations, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Modérateur, pour la parole. Madame la Présidente de l'AIGEP Afrique et le Stade Régional, Monsieur le Coordinateur de l'Assemblée de la Jeunesse africaine 2022, Monsieur le Président de l'AIGEP Gabon, Excellences, Messieurs et Dames, ambassadeurs et ambassadrices, chers leaders de jeunesse, distingués invités, veuillez recevoir tous les honneurs dus à vos différentes fonctions de charge. Alors, je suis Ulrich Biyogé Ibinda, actuel vice-président de l'Union nationale des étudiants du Gabon, poste que j'ai occupé autrefois en tant que vice-président 3. Après le concours de baccalauréat au lycée pour l'étudiant au Gabon, à Libreville, j'ai eu l'immense désir d'être président de l'association Serenity Gabon Junior, qui est une filière jeune du Serenity Gabon, qui fait dans l'aide d'entraide et la lutte contre la pauvreté intellectuelle. Poste que j'ai occupé pendant une période de 2 ans, de 2017 à 2019. Pendant mon cursus universitaire, j'ai également eu l'honneur d'être président
l'actuel des étudiants des places études hautes études économiques et entrepreneuriales, IHE, comment aujourd'hui, plutôt respectivement, en deuxième année et en master. Là-bas, j'ai eu une licence en marketing et gestion internationale en tant que major de ma promotion et major des majors de l'ensemble des promotions. Mais ici, c'est avec la casquette du jeune ambassadeur, je l'appelle comme l'a dit le modérateur, que je vais intervenir. Distinction qui m'a d'ailleurs été remise par le président Bourou-Uric, que je salue au passage. Puis du thème soumis à mon intervention, qui s'intitule « Promouvoir des médias autonomes, socialement responsables et mots pour la réalisation du rêve africain ». Aujourd'hui plus que jamais, nous pouvons constater que les médias jouent un rôle essentiel dans le processus de paix et de démocratisation de nos pays. En Afrique particulièrement, comme ailleurs dans le monde, les questions liées à la liberté d'expression sont d'ordre fondamental de société qui se veut être libre et démocratique. Dominique par le fait, tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité dans le commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Fin citation. Autrement dit, si nos médias ne sont pas socialement responsables et autonomes, ils ne pourront pas véhiculer les valeurs d'unité, d'amour, de travail juste et d'effort pour permettre à notre continent de matérialiser son rêve africain. En participant à ces ateliers, médias pour qui est présent et chers participants, nous marquons déjà notre envie de voir une Afrique libre, une Afrique où le débat est exclu ou dans le respect des autres institutions. Pour vous dire des choses intéressantes. Nous ne voulons plus d'une Afrique qui a peur de dire ce qu'elle pense. Une Afrique où les mots peuvent être dictés par certaines puissances qui redoutent notre autonomie économique, financière, politique, culturelle et autres. C'est donc aux médias africains, de comprendre que notre autonomie passe aussi par leur autonomie. Que notre responsabilité sociale et morale passe aussi par leur responsabilité sociale et morale. Au-delà, à nos ministères respectifs de la communication, à nos gouvernements de mettre en place des mesures, des stratégies, des politiques qui permettront à ces médias-là de pouvoir faire un travail professionnel, un travail d'équité, un travail de justice. À nos jeunes leaders, de jeunesse, jeunes ambassadeurs, pour la paix. C'est à nous de prôner d'abord ces valeurs-là, ces valeurs d'unité, d'amour, d'équité, d'entraide. Parce que nous sommes aussi appelés demain à prendre la tête de ces institutions de communication qui permettront aussi de vendre l'Afrique aux yeux du monde entier. Mais aujourd'hui, nous pouvons remarquer qu'en Afrique, certains médias, certains leaders d'opinion, certains jeunes leaders de jeunesse sont instrumentalisés. Donc, en prenant ces valeurs, je pense que nous pouvons dessiner effectivement et matérialiser le rêve africain. Prenons le cas de ce qui se passe en Occident, où il y a une guerre de l'information qui sévit entre le camp de l'Ouest et le camp de l'Est. Et là, nous remarquons que certains dans ces pays, des informations sont passées de manière restrictive à ce que les populations croient à une vérité. Donc, c'est à nous, jeunes Africains, à nous, médias Africains, de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais pour matérialiser nos rêves africains. Parce que nous ne pouvons pas prendre nos rêves africains si nous n'avons pas des médias autonomes, si nous n'avons pas des médias qui vendent l'Afrique. Quand je dis des médias qui vendent l'Afrique, j'entends par là des médias qui vendent nos valeurs, qui vendent notre richesse, qui vendent notre Eldorado Afrique, comme certaines grandes puissances le font depuis des années. Mais ces puissances-là, nous remarquons que dans ces pays, il y a des catastrophes surnaturelles. Il y a des ouragans, des tremblements de terre, des taux de suicide élevés. Mais ce n'est pas pour autant que certains jeunes Africains se disent que l'Eldorado, c'est ailleurs. L'Eldorado, je vais apprendre, je veux vivre, c'est ailleurs. Parce que justement, les médias de ces pays ont su saisir très tôt l'importance de bien vendre leur pays, leur continent. Donc, voici en quelque sorte mon intervention, M. le modérateur. Je reviendrai essentiellement s'il y aura des questions qui seront visées. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Riche, pour votre présentation, si brève, mais également pertinente. Il nous a été signalé qu'il y a eu quelques problèmes techniques à vous écouter correctement. Mais puisque vous avez envoyé également une vidéo préenregistrée, je voudrais maintenant demander à la technique de bien vouloir jouer cette vidéo afin que tous nous puissions vous recevoir clairement et que les gens puissent vous poser des questions en fonction de ce que vous auriez réellement dit. Merci beaucoup. Madame la Présidente de l'AEGEP Afrique et tout le staff régional, Monsieur le coordinateur de l'Assemblée de la jeunesse africaine 2022, Monsieur le Président de l'AEGEP Gabon, Excellences, Messieurs et Dames, ambassadeurs et ambassadrices de paix, chers leaders de jeunesse, distingués invités, veuillez recevoir tous les honneurs dus à vos différentes fonctions et charges. Je suis Ilorik Biogé Ibinda, actuel vice-président 1 de l'Union nationale des jeunes du Gabon, UNEG, chargé des relations internes, poste que j'occupais autrefois en tant que vice-président 3. Après l'obtention de mon baccalauréat en série A1 au lycée Paul Ingédien Gondjou de Libreville, Gabon, en 2016, j'ai été élu président de Sorinti Gabon Junior, qui est une firme jeune de Sorinti Gabon qui fait dans l'entraide, dans l'aide et la lutte contre la pauvreté intellectuelle. Poste que j'occupais pendant une période de 2 ans, de 2017 à 2019. Pendant mon cursus universitaire, j'ai été président par 2 fois également de la mutuelle des étudiants de l'Institut des hautes études économiques et entrepreneuriales, respectivement en deuxième année et en master 1. Là-bas, j'ai obtenu une licence en marketing et gestion internationale en tant que major de ma promotion et major des majors de l'ensemble des promotions. Mais ici, c'est avec la casquette de jeune ambassadeur pour la paix que je vais intervenir. Distinction qui m'a d'ailleurs été remise l'an passé par le président Bourobou Ulrich, que je salue au passage. Puis du thème soumis à mon intervention qui s'intitule « Promouvoir des médias autonomes, socialement responsables et moraux pour la réalisation du rêve africain ». En Afrique, aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons constater que les médias jouent un rôle essentiel dans le processus de paix et de démocratisation de nos pays. En Afrique, particulièrement, comme ailleurs dans le monde, les questions liées à la liberté d'expression sont d'ordre fondamental pour des sociétés qui se veulent être libres et démocratiques. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Autrement dit, si les médias ne sont pas socialement responsables, si nos médias ne sont pas autonomes, ils ne pourront pas véhiculer les valeurs d'unité, d'amour, de travail juste, d'effort pour permettre à notre continent de matérialiser son rêve africain. En participant à ces ateliers, nous marquons déjà notre envie de voir une Afrique libre. Une Afrique où le débat n'est pas exclu. Où dans le respect des autres des institutions, nous pouvons dire ce que nous pensons. Nous ne voulons pas d'une Afrique qui a peur de dire ce qu'elle pense. Une Afrique dont les mots peuvent être dictés par des puissances qui ont peur de notre autonomie économique, politique, financière et autres. C'est donc aux médias qui sont présents à ces conférences, à ces médias africains, de comprendre que notre autonomie passe aussi par leur autonomie, que notre responsabilité sociale et morale passe aussi par leur responsabilité sociale et morale. Pour aller plus loin,
sans nos autorités gouvernementales, de mettre en place des mesures qui pourront faire en sorte que le secteur communication travaille avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'équité et beaucoup de sérieux. Mais cela passe aussi par nos jeunes leaders de jeunesse, jeunes ambassadeurs pour la paix, de prôner ces valeurs, de prôner l'équité, de prôner l'amour, de prôner l'entraide. Parce qu'il faut dire que beaucoup de médias sont instrumentalisés, beaucoup de jeunes leaders sont instrumentalisés. Mais avec des valeurs précitées, nous pouvons effectivement faire face à ce fléau. Et ainsi, nous pouvons dessiner et matérialiser le rêve africain. C'est ainsi que prend fin mon intervention. J'espère avoir édifié de manière générale l'importance que les médias doivent avoir dans le processus de matérialisation du rêve africain. Ce rêve africain ne peut pas passer si vous, médias, vous ne pouvez pas être moralement et socialement important. Si vous ne pouvez pas prôner ces valeurs, si vous ne pouvez pas être autonome, nous avons besoin des médias forts. Comme nous pouvons constater la guerre d'information qui se passe en Occident ou le camp de l'Est et le camp de l'Ouest, chacun diffuse des informations qui semblent être vraies selon les pays respectifs. Alors nous, en Afrique, avec un regard reculé, nous devons prendre exemple, tirer ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Ainsi, nous pouvons mettre en place notre rêve africain. Notre rêve africain passera par les médias. Notre rêve africain passera par des jeunes leaders de jeunesse, ambassadeurs de paix, qui prônent des valeurs d'unité, d'amour et de cohésion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Riche. Maintenant, nous vous avons très bien reçu. Je veux croire que tous nous sommes au même niveau d'information. Merci d'applaudir. C'était une intervention pertinente. Vous êtes revenu surtout, vous avez parlé surtout de la responsabilité sociale et de l'autonomie des médias. Et vous avez dit quelque chose de très constructif, quelque chose de très positif. Nous devons prendre ce qui est bon, ce qui est constructif dans cette guerre à l'information dont nous sommes témoins ces jours-ci, et prendre ce qui est constructif pour nous en Afrique, ce qui est constructif pour nos sociétés. Merci beaucoup pour cette intervention claire qui interpelle vraiment les médias aujourd'hui. En troisième position maintenant, chers participants, nous avons un panéliste qui nous vient du Bénin. Il a été directeur de rédaction, il est actuellement directeur de la prospective et du développement du journal spécialisé en questions d'éducation